Ok, Ok, de donc leader à assaut et soutien. test. Assaut, j'écoute. Je vous explique, on va se redéployer avec le Métis. On va essayer de traiter les 3 BRDM les 3 BRDM qui sont au nord d'Hôtel 4, ainsi que le BMP qui est en position 104-105. On va traiter ces 4 véhicules. Ensuite, on va essayer de faire intervenir le SU-25 Eagle pour les 3 T-55 que vous avez en face de vous, sur un axe sud-est-nord-ouest. Est-ce que ça, c'est reçu? Assaut, bien pris. Pendant ce temps-là, vous allez devoir être patient, les gars, attendre qu'on ait flingué tout ça. Si ça suffit pas, vous aurez autorisation d'essayer d'engager les T-55 avec vos RPG. Mais en attendant, vous patientez, vous fortifiez, vous attendez qu'on ait clairé le chemin pour vous commencer à vous diriger vers P9 et Hôtel 4. Bientôt, je suis sur la crête à l'ouest de P9. J'ai une distance de 500 mètres, trop loin pour les RPG. Ok, c'est reçu. On va faire en sorte que le SU, que Eagle fasse du bon boulot. Allez, soutien, c'est reçu. On reste sur notre position. Associe, si jamais tu te fais traiter, que tu as besoin de replier, on sera en mesure de bloquer les forces ennemies sur la carte sur laquelle tu es que... positionné pendant que tu frappes. Non, non, nous on les voit pas. Il n'y a que l'infanterie qui voit. Ah, c'est l'infanterie qui la voit, c'est tout. C'est quoi ton prochain mouvement? Tu veux qu'on aille où pour Alors, déployer? Fragball, on va déployer le Métis juste ici. Tu ouvres ta carte? Nous on est Là, sur donc je pars sud-est. nous on est sur India. Tu dépasses P7 et tu te mets juste là, tu déploies ton Métis, tu creuses ta tranchée et tu te tiens prêt à tirer sur les BRDM. Ou tu files ta pelle à Ok. Goya si tu veux. Et ouais, tu me diriges, c'est tout. P7, c'est sur notre est, donc ouais. Et P7, derrière le puits de pétrole, quoi, plus au sud-est. P7 c'est Les sur notre hauteurs. est. P7 c'est Je vais sur notre lancer est ma là. com avec Ok, Bluetooth va me diriger là-bas. C'est parti. Aiguillera à Goya. Le chef, il suit. Ok, mais après faut que je passe la com à Eagle. Hein. Allez, on est bon. Par plein est. Ouais, plein est. Parti. Passe à gauche ou à droite? Tu vas le laisser le. Ouais, vas-y, vas-y, passe où tu veux. Je m'en branle. Je passe ma corde. QG pour Eagle, parler. Lâche le hasard ici. Attention, vous allez bientôt intervenir au niveau de Hôtel 4 Prends une T5 Fagol. en 096-100 Mets ta au pelle dans la sud de voiture. Hôtel 4. Vous aurez 3 T55 à détruire sur mon ordre. C'est bien pris? C'est fait, chef. Ok, je prends ta pelle, je vais creuser ta tranchée. Bien, on va commencer à déployer le Métis là-bas sur l'est. Au sud de Hôtel 4, Dessus. vous pourrez une attaque Même sur le sud-est là-bas sud-est plutôt. nord-ouest. Ah, y a des caillasses et tout là. Putain, non. On va être bien là. Ouais. On va être bien ici. Attends, je vais C'est quoi prendre un petit l'axe peu d'œil. de tir? L'axe de tir. Ah merde, attends. Et on va décaler un peu gauche. Ensuite. L'axe de tir, bah ça va être plein est là-bas. Plein est, toujours 120. sur le camp ennemi, ok. 120, 120. Le but, ça va être de traiter les BRDM et le BMP. Les trois à droite et celui à gauche isolé sont dans le centre de la Ouais, base. c'est ça. Ensuite. Alors, est-ce qu'on a les trois là? Ouais, là on a les trois. Si tu déploies ton métis ici, ça devrait être bon. Je vais te creuser une tranchée. Les trois, je les vois. Azimut Putain. 122. Ah, mais 125. Décalé 122, encore. 125. Ouais, on va se décaler encore un petit peu. Ouais. Les Tac. BRDM, je peux les taper. Les trois, ils sont à 1,3 km. On est bien. Alors, commence à déployer ton bordel ici et puis
Ici, là où tu es actuellement? Ouais, je vais te creuser une tranchée là. Ok, Attention, éloigne-toi, nickel. éloigne-toi. Pas trop profond, sinon je pourrais pas tirer. Ok, je vais t'en mettre une petite alors. C'est bon, je la creuse. Vas-y, vas-y, creuse, creuse, chef. Dépose ton sac et va chercher l'autre. Ok, je pose mon sac ici à tes pieds, bouge pas. Et sac posé. Je reviens. Que c'est long à creuser cette merde. Ça creuse, mais putain, je suis pas fait pour creuser. Ça va, t'as réussi à transmettre à Eagle? Ouais, c'est bon, on attend ton ordre pour qu'il intervienne. C'est bon, j'ai eu donné les coordonnées, il sait pas où il faut passer. Ok, ça Là, c'est marche. bon, tu peux te décaler, je vais monter mon lanceur. Ah, attends, je suis en train de la creuser là encore. Ok, bon, vas-y. T'as fini. Ouais, je suis au 3 quarts là. Et après, je te laisse la place. Ah ouais, c'est une tranchée parfaite, là, ce que tu me fais, c'est nickel. Donc, azimut 120, on a dit les 3 BRDM. Hein. Ouais, 3 BRDM et ensuite le BMP. Est-ce que tu veux le BMP, ouais. Est-ce que tu as une cible prioritaire par rapport au BRDM? Moi, je pense que celui du milieu, il a l'air d'avoir une grosse toile. Ouais, attends, là, je peux pas utiliser mes jumelles. Et je les aligne, hein, je fais bing, bing cible, etc. etc. J'enchaîne sur les 3 et je passe au 4e. Ouais, Il m'en restera 2 missiles. sachant qu'ils vont se mettre en mouvement les cons dès que. Donc tu fais au mieux quoi. Mais en priorité, ouais, les BRDM quoi. Pas su. On a une patrouille en C'est bon. alerte 145 de l'autre côté du vallon au sommet de crête. Ouais, ils font que courir. Ouais, on Faire se un voyait même tout siège, à l'heure. ils sont pas en alerte alors, ils font que courir. Bon 7. Je vais recreuser une autre tranchée sur le côté là. Métis assemblé, il est dans la tranchée. Ok, deux leaders pour Alpha et Bravo. Il est dans la tranchée, mon bêtise. Attention, vous approchez pas. Ok. Bien placé là, mon bêtise. Leader pour Alpha et Bravo. Pas ça va le faire. Hein. J'y soutiens pas. Ah ouais, excusez-moi, l'habitude. N'oubliez pas que vous pouvez creuser des tranchées pour vous fortifier si besoin, au cas où. Nous, c'est ce qu'on fait. On va s'apprêter à engager les blindés avec le Métis et faire intervenir Eagle. À mon top, vous pourrez commencer à avancer vers P9, prendre position sur P9 et vous fortifier sur P9. Je voudrais pas te paraître chiant, mais la tranchée est trop importante. Je peux pas tirer ça. Vas-y, sans botte. Je crois que je peux pas faire moins important en fait. Il va falloir que je me décale. Hein. Coup la tranchée, vous pouvez vous en servir peut-être pour vous cacher. Je suis en train d'en creuser une deuxième là, une grande. Tu as vu à coup plein sud, 1,5 km sur le deuxième sommet de crête, j'ai un blindé. Yasso, un groupe de contact Regarde, ennemi tu peux décaler s'il te plaît? nord-est de ma Ah position en pardon. mouvement. Défilant nord-ouest. Nord-ouest. Ok, je me mets Ah, à... ok. Deux leaders, j'ai besoin d'une distance. Merde. Ok, essayez de garder la couverture pour l'instant. Oups. Hey, tu m'as déplacé. Fais gaffe, hein. Excuse-moi.
Si tu me tues, t'avais pas vu, chef. Faudra que t'expliques ça. Dangereux de déplacer des bazars. Ça va, t'as pas de dégâts? Je sais pas encore, je pense pas normalement. Ça m'a bousculé, mais normalement j'ai rien. Aucune blessure. Hein. Non, c'est bon. T'as une tête. Tiens, moi je t'ai mis des trucs, tu te démerdes avec, tu les poses où tu peux. Ouais, ouais, je vais me positionner, t'inquiète, ça devrait être pas mal. Disais des conneries, hein, y'a rien plein sud. Ok, fait, ça va, Goya, tu me rassures. Je vais voir pas un arbre. Ah putain, ça va toujours pas. Hein. Je vais me décaler. Hein. Ah ouais, c'est un petit trépied que t'as, putain. Ouais, je peux pas le mettre plus haut que ça. Donc du coup, je vais devoir décaler sur la gauche, quoi. Hein. Et sinon, tu le recules un peu en arrière, tu serais un peu plus haut. Ouais, c'est vous. Recule-le un petit peu en arrière, tu serais un peu plus haut. Je vais prendre un peu là. De hauteur. Je suis pas sûr que ça marche bien là, tu devrais le reculer encore un petit peu. Je regarde là, ça va. Non, ça va toujours pas. Ok, ok, ok. Je recule. Ils ont pas bougé. Et après, j'ai une solution. Ah bah, moi, je vais essayer un truc. Il faudra qu'on se méfie de ceux qui sont en creux de vallée après, quoi. Ouais, faudra faire gaffe. Tout à fait. Hein. Après, de l'infanterie, il y en a un peu partout, ça. Passez pas devant moi. Hein. Okay. Non, 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 vas-y, vas-y, c'est bon. Je fais ma tranchée, moi. Et moi, je bouge pas. Bah, je vais pas mettre là alors parce que. J'ai peur du Black Blast. Putain, du Black Blast, bordel de merde. J'ai cru que tu l'avais fait exprès. Non. Et tu sais ce que je vais faire? Je vais faire ça. Putain, attends, c'est quoi ça là-bas? Merde. Dis-moi, ah, pas je suis bien là. Dis-moi pas qu'il y en a un autre. Ah, mais le blast il va me tuer là. Mais non. Non, 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 je suis vraiment pas bien là. Je... N'importe quoi, je vais me placer, comme on a dit, derrière. Putain, c'est une carcasse ça. Oui, c'est une carcasse. Et en... Oh putain, le coin est tombé. Tu veux dire où ça? En 130, 130. Derrière la crête, il y a un petit bâtiment. Tu le verras 130 pas si t'es derrière pas... crête, il y a un petit bâtiment. Tu te décales à gauche, tu veux le voir. Ok, d'ici je dois pouvoir faire un tir. Les tranchées, c'est plus qu'autre chose en fait. J'ai peur que le missile tape dedans. Bah, décale-toi à droite de les tranchées si, ça, si t'as besoin. Ouais, vu. Non, je pense que je crois pas. Ok, j'ai non, les non. Copains en visu là. Ah, tu veux dire à gauche du bâtiment, c'est ça? À droite du bâtiment, j'aurais dit. Non, non, c'est une carcasse. Ok, ça va. Et à gauche du bâtiment, ça a l'air d'être rien du tout. Ouais, c'est rien, c'est rien. Bon, c'est bon, Fuckball? C'est bon, Fuckball? Il y a parfaite visu sur les films. Ok. Ah, du coup, je me suis placé juste là-bas à droite. Ça marche, ça marche. C'est ça parfait marche. Pour moi. Ça marche, ça marche. Faudra faire gaffe quand tu tireras Zimut 95. T'as une compagnie qui est alignée sur la petite crête devant le bâtiment. Le bâtiment qui est plus proche de nous en 95. Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est bon, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Pire, je vais des grenades. Je vais charger mes grenades d'ailleurs. De toute façon, on fume les trucs et on essaie de se casser si on peut au plus vite. Ça marche. Grenade chargée. Tu peux me donner une distance sur les cibles, comme ça je peux les préparer mes tirs de grenades au pire pour nous défaire de la situation. Je vais le faire. C'est pas la priorité, de toute façon c'est trop loin là, c'est à plus de 400 mètres, tu pourras pas viser. Va dans ton métis là, prépare-toi à tirer. Reçu. Ok, deux leaders, Alpha, bravo. Soutien. Assaut. Assaut et soutien, on est sur le point d'engager, on va engager et ouvrir les hostilités, donc tenez-vous ouvrir mon signal. Goya, tu prépares, tu chauffes le pilote. Ok. Bien pris. Et le football prêt à faire.
QG pour Eagle, Fuckball, parlez. Commence par celui de droite avant. Celui de droite, j'ai peur que ce soit On celui va sur lequel tu perds engager des le blindés giron. avec le métis. Préparez-vous à intervenir sur les BRDM que je vous ai donné tout à l'heure. Ouais, priorité celui de droite. Ensuite, le troisième en partant de la droite. Celui du milieu. Négatif, c'est sur les 50. Le prends T55, troisième. Pardon. Et ensuite, tu finis sur le BMP sur la gauche, ok? Bien prêt à coup. History. On va voir s'il va les avoir là. Allez, vas-y, attends, quand tu veux, quand t'es prêt. Ok, feu dans 10 secondes. Et oublie pas que c'est philo guidé. Allez, fuckball, allez, fuckball. Allez, allez. Oui, joli. Bien joué, suivant. Je recharge. Bouge pas les autres là, ils sont là. Ça m'a même pas compris. Ah, trop. Il bouge. Trop dommage. Il bouge, il se casse. Quel flip je fais? Tente le BMP. Ah putain, il y en a un qui est fixe là. Il y en a un qui est passé derrière la petite crête. Ouais, mais c'est pas le bon. C'est un hit. Trop bas. Réessaye le BMP. Monsieur, il me reste 3 tirs. Goya, fait intervenir Eagle sur les T55. Bien pris. QG pour Eagle, parler. Intervention immédiate sur les T55. Bien joué. Bien pris. Là, s'il me reste 2 tirs, je prends un sur un BRDM sur la droite. Une fois que vous avez fait votre passage, essayez vous de pas le rater un alors. Un seul tir. Bien pris. Possible. On n'a pas trop allié au niveau des T55. Non, ils sont plus loin, ils sont juste sur l'ouest. QG pour Eagle, négatif, aucun allié sur zone. Ils sont à 400 mètres, 400-500 mètres sur l'ouest, donc il n'y a pas de souci. Les alliés se trouvent à 400-500 mètres à l'ouest de cette position. Ok, c'est bien joué, Feuwell. Tu me confirmes, il reste un missile? Confirmé, un missile. Ah bah nickel. Ok, de leader pour assaut et soutien. Assaut. Soutien. On vous confirme la destruction de 2 BRDM et 1 BMP. Il vous restera 1 BRDM sur la zone indiquée précédemment. On fait intervenir Eagle pour les T55 et ensuite vous pourrez avancer. Bref, le tank en 105, je peux essayer de taper. C'est assaut bien pris. Le tank en 105. Par contre, si Assaut qu'il fasse gaffe Eagle à son passage, on est à l'ouest du T55. Ouais, c'est bien pris. On lui a indiqué que vous étiez à 400-500 mètres à l'ouest. Tu parles de quel blindé, Fagwell? 105 derrière la tête. 105 de kilomètres. 105 de kilomètres. Derrière la crête, il y en a deux. Les BMP là? Ouais. Ok, le ZD25 passe. Garde-le en réserve, Fagwell. Tu me donneras son rapport. Ok, ici Assaut, les T55 sont en mouvement. Merde, ils sont en mouvement les T55. Ils sont en mouvement nord. J'aurais dû mettre mouvement ils sont nord. En mouvement nord, les T55. Ah oui, faites un passage. Bien joué, Goya, bien joué. Comme quoi, tu vois, t'as bien fait d'avoir la radio. Demande à Assaut soutien s'il voit les T55 parce que moi je les vois pas d'ici. Ouais, ils les voient, ils les ont vus partir en mouvement. Et alors de leader s'est reçu. Vous confirmez, ils sont en mouvement vers le nord ou ils ont stoppé? Et Assaut, ils viennent de stopper. Ok, est-ce que vous avez une correction de position à apporter? Et Assaut, attendez. QG pour Eagle, patienter.
Assaut, les chars sont en 0,96 101, je répète 0,96 101, au nord d'hôtel 4. Ah, ils ont bougé 100 mètres au, 100 mètres au nord d'hôtel 4. C'est bon. QG pour Eagle, parler. Les chars sont au 0,96 101, au nord de l'hôtel 4, à peu près une centaine de mètres au nord de l'hôtel 4. Refaites un passage. Reçu. Assaut, je peux marquer la position des chars au long de la affirmative, je comprends. Au long de la fumigène. Ok, faites ça les mecs, c'est bien. Ils vont balancer une fumée sur la position des chars. Ok, passage en 30 secondes de l'avion. Le 107, passage du, de Eagle dans 30 secondes exactement. Oh. Et ils vont faire un petit marquage fumier et ça va faire du beau boulot. Quasi minute. Je sais pas, on va pas le voir d'ici. On le voit pas d'ici, Fuckball, on est caché. D'accord. C'est caché. Bah, désolé pour mettre deux tirs ratés. C'est ah, c'est bon, t'as fait du bon boulot quand même. Ah non, t'as fait du bon boulot, attends. C'est très bon. J'étais trompé par leur relief. Juste qu'on en garde un en réserve au cas où ça bouge là. Il m'en reste, pas de soucis. On a battu combien du coup? T'as battu le BMP de BRDM. Ils vont lancer une fumée, c'est ça? Il y a une fumée là-bas. Ah, ça y repasse. Assaut, l'avion est trop au nord. Je répète, l'avion fait son bombardement trop au nord. Ah, c'est beau l'aviation. Il y a une correction de au moins 500 voire 600 mètres sur le sud. Ok, Ok, reçu. QG pour Eagle, vous êtes trop au nord. Déplacé de 500-600 mètres au sud, je répète, de 500-600 mètres au sud de la position. Reçu. Ok, le leader pour assaut. Et assaut, j'écoute. Vous confirmez le marquage par fumée? Je le vois pas, le marquage par fumée, mais j'ai l'impression qu'il a pas marché. Ah merde. Donc les chars sont encore en mouvement, ils sont passés derrière la crête entre hôtel 4 et hôtel 4 bis. Merde, donc ils ont continué à bouger vers l'est. Ouais, j'ai entendu. Vers l'est. Vers l'est ou vers le nord? Ah, ils sont passés vers l'est, c'est vers le versant est de hôtel 4. Et QG pour Eagle. Les T-55 sont passés sur le côté est de hôtel 4. Est-ce que vous avez bien reçu? De leader pour assaut. Et assaut, j'écoute. Est-ce que P9 est une position fortifiable? Et assaut, attendez, je vais reconnaître la zone, on n'a pas visu sur la zone depuis ma position. C'est incroyable qu'on les voit pas nous ces putains de T-55. Commandement de assaut. 57, quasi vite. Ils cherchent moi aussi. Ils sont censés être sur hôtel 4 un peu. Ouais, donc ici assaut, le P9 est composé de 4 citernes plus 1. On va les avoir à mes couradars. Les chars sont réapparus, ils sont dans la vallée à l'ouest d'hôtel 4. À l'ouest d'hôtel 4. À l'ouest, donc ils sont près de P9 alors. Confirmez que les chars sont dans la vallée à proximité de P9. Ils sont remontés par rapport à la route, ils sont vers hôtel plus hôtel 4 bis. Ok, ils sont vers hôtel 4 bis. Donc ils doivent être par là, ils sont remontés. QG pour Eagle. Et affirmative dans la vallée. Ok, c'est reçu. Est-ce que tu peux me répéter la composition? Les T-55 sont plus proches de Hôtel 4. Donc un bâtiment plus 4 citernes d'essence, présence de pipeline tout autour. Bien pris. Par contre, les chars ont bougé et P9 est dans leur ligne de mire.
Voilà, c'est reçu. P9 n'est pas une position fortifiable, d'après vous. Avec des tranchées, si, mais ouest et est, pas sûr. On est en fond de vallée, c'est pas terrible comme position. Ok, reçu. On va essayer de prendre notre temps avec Eagle, alors. UG si pour vous Eagle. Avez des fumis, n'hésitez pas à essayer d'en balancer sur les chars. Ok, bien pris. Par contre, ça va être trop loin pour les fumis. Est-ce que vous avez bien reçu ma dernière com? Ok, les T-55 sont proches de l'hôtel 4-10. Au niveau c'est pas de trop la route, dangereux, Eagle peut faire un mi-chemin entre P9 et hôtel 4-10. Ils sont dans la vallée, dans ce point là, vous avez reçu. Non, négatif. Au niveau de la route, il doit peut-être être sur la route, on n'en est pas sûr. Reçu. Ok, bien pris. Vous nous dites dans combien de temps vous faites votre passage pour que je puisse le dire aux autres équipes. Parlez. Ok, passage dans 30 secondes, arrivée du sud-ouest. À coup. Du sud-ouest? Ouais. Axe sud-ouest, il prend. Axe sud-ouest. Et il faut qu'il décroche avant la zone rouge, hein? Ah ouais. Il y a hors de question qu'il passe au-dessus de la vallée, hein. Et je pour Eagle, pensez bien à décrocher de la zone rouge une fois que vous avez fait votre passage. Il n'est pas question que vous passiez dans la vallée. Reçu. Oh, vous l'aviez vu en visuel, l'anti-aérien? L'anti-aérien? Il n'y a pas d'anti-aérien. Non, ah bon, d'accord. Non, les anti-aériens sont beaucoup plus loin. La flak, Disons que tous les blindés, les BMP et tout ça, ils vont répliquer. Hein. Ah ouais. J'avais tenté de regarder un visuel au fait sur l'est dans la ville qui est tout à fait en contrebas. Il y a des patrouilles aussi également qui ont été spotées précédemment. Ok, je vais voir ça. Je vois nos alliés, hein. On ouais, les voit, ils sont proches de la route. Ok. Azimut. Azimut. 170. Ouais, je répète 3 azimuts. Fait que Bolivie des azimuts. Qu'on me donne un azimut. Ouais. Donnez-moi un putain d'azimut. Et donnez-moi des missiles pour mon métis aussi, tant qu'à faire. Ah. Allez, décroche. C'est bon, ah, il les a repérés. Ouais, ça c'est cool. Ouais, c'est cool, ouais. Ok, il a bien décroché. Ok, QG pour Eagle, vous avez bien décroché, c'est nickel. Essayez de détruire ces T-55 pour qu'on puisse après faire intervenir les équipes au sol. Reçu. De notre position, négatif. Commandement de assaut, je ne peux pas confirmer la destruction des blindés. Par contre, j'en vois toujours un, négatif 2, je répète, 2 blindés. Ouais, c'est reçu, mais là il les a repérés, donc a priori le prochain passage devrait être un peu plus productif, on va dire. QG pour Eagle, temps pour le prochain passage, parler. Ok, commandement de assaut, je vois 3 membres d'équipage 30 secondes. Qui sont dehors, je pense qu'un blindé a dû être détruit. Ok, bonne nouvelle. Dis-lui qu'il doit en rester 2. QG pour Eagle, vous avez détruit un blindé sur 3. Nickel. Passage en 30 secondes à coup. Ouais, nickel, impec. Et ben sachez que vous en avez eu 1 sur 3. Nickel. Il les engage avec quoi du coup? Je sais pas, on pourrait lui poser des questions. J'ai filé aux idées. Non. Lock thermique, pardon. Non, je crois qu'il y va à la roquette ou... À la roquette, carrément. Ouais, je la mitrailleuse. Okay, il attaque. Commandement de assaut trop long, voilà. le tir de la... Ça fait tirer dessus un peu, hein, sur le... Ouais. Non, mais l'est. C'est bon, il a rien. 300 mètres plus au sud-est. Ouh là là là. Qu'est-ce qu'il a dit? 300 mètres plus au sud-est. C'est reçu.
Ok, par rapport au QG pour Eagle, par rapport au point d'attaque, 300 mètres au sud-est. Je répète, 300 mètres au sud-est par rapport au point initial reçu. Affirmatif. Putain, si on avait des fumis. T'as des. Est-ce que Quand même, c'était je peux tirer détruit que 400 ou à coup? 700 mètres. Quoi? Est-ce Tu dis que quoi? qu'est-ce qui a été détruit? Des greux rouges. On a détruit deux BRDM, on a détruit un BMP et on a Non, non, détruit mais et un le pour T55. Eagle, pour Eagle. On a détruit un T55. Donc pour le dernier passage, il a rien détruit. Hein. Il a rien détruit a priori, ouais. Ok, pour votre dernier passage, vous avez rien détruit pour le moment. Nico. Ok, Ah, c'est passage Colin dans là. 30 secondes de Eagle, attention. Colin là qui. Pas de soucis, c'est C'est vachement dans juste la derrière ligne. la colline en fait, nous on les voit pas Ah ouais, c'est ça. d'ici. Ouais. Azimut 160, c'est ça. Ouais. À peu près, ouais, à peu près dans ces eaux-là, ouais. Ah, là où tu vois l'espèce de tube là, de pipeline. Ouais, c'est ça. Et au pied des pipelines, quoi. C'est frustrant de pas les voir, quoi. Mais c'est ça qui est marrant en tant que commandant. Toi, tu fais engager quelque chose que tu vois pas, ça c'était vraiment trop fort. Il faut faire confiance, quoi. Ça. Bah. Ah, Quoi? tu vois. Il va nous faire coucou là. Un commandement de assaut, donc le char que l'avion a Ah. visé est toujours en vie. Eh ben, c'est ça. Que j'ai Ok, pour c'est Eagle, reçu. patientez. Pour assaut, vous confirmez, il y a toujours deux chars en activité sur zone. Négatif, un char, un deuxième est parti est. Putain, ça me fait chier ça. Ça me fait chier. Il est en. Donc en coordonnées 100, 100, je Un noir répète, de pain 100, par gauche 100. et Attends, attends, derrière. attends. 100, 100. Merde, bon, c'est noté. Et on vient de perdre visu dessus. Quoi? Ok, donc un char qui partait vers l'est qui était en azimut 100-100, c'est ça? Ici assaut affirmatif. Et un autre char donc à l'ouest il y a 4 bis d'hôtel 4 bis toujours en activité. De Eagle pour de QG pour Eagle les 5, T55 se sont séparés, on en a un en 100-100. Le deuxième s'est orienté plutôt sur Hôtel 4 bis. Je répète, un premier en 100-100 et l'autre sur à peu près sur Hôtel 4 bis. Reçu. Oh bordel, putain. Merde. Ouais, à coup, il lui reste que 5 roquettes. Il va tenter un passage. Ok, ben qu'il fasse au mieux. Surtout que sur celui d'Hôtel 4 bis, si possible. Essayez en priorité, Eagle, de vous occuper de celui de Hôtel 4 bis. Reçu. Bon, on a Ah, c'est pas nettoyé un petit évident. peu. Ouais, c'est pas évident. Non, c'est pas évident, c'est clair. 4 bis, tu peux lui demander des informations supplémentaires par rapport au hôtel 4 bis. Ah, mais il les a notés. C'est toi qui les as C'est notés. moi qui les ai notés. Ouais. Ok, d'accord. Du coup, tu Ça, veux que je fasse quoi, mon métis? c'est Je le pas la laisse là position ou. actuelle, ça. Quoi? Goya? C'est pas leur position actuelle. Non, 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 non. Eux, ils sont sur India 3. Ok. Laisse mon métis en place. Attends, fuckball pour l'instant. Apparemment, QG pour Eagle, apparemment, c'est légèrement à l'est de Hôtel 4 bis. Je répète, à l'est d'Hôtel 4 bis, reçu. À l'ouest. À l'ouest. Indication ouest, pardon. Je vais devoir faire avancer l'infanterie, je pense, là. Ouais, sinon ça va trop. Ah, ça y est, il est passé.
Leader de assaut, char détruit, je répète, char détruit. Char détruit. QG pour Eagle, bravo, vous avez détruit okay, un deuxième de leader, char, c'est bien nickel. Reçu. Et, il nous reste celui qui est parti à l'est, pas de nouvelles? Négatif, aucune nouvelle. Vois. Azimut 130, 1,8 km. Il est statique. Ok, c'est reçu. Assaut, c'est vous qui êtes sur India 3? Azimut 130, 1,8 km. Affirmatif, je le vois. On va me le faire d'ici. On est plus au. On est au sud-ouest de l'India 3, ça va dire. QG pour Eagle. Vous avez reçu ma dernière. Ok, pour soutien, vous me recevez? Bravo, vous avez eu le deuxième T-55, c'est nickel. Vous êtes sur quelle position là? On est un peu à l'ouest de. Ok, c'est reçu, soutien, vous allez prendre position sur la crête et offrir une couverture à Assaut pour qu'il va pénétrer sur P9 et essayer de se fortifier au mieux sur P9 pour attendre la potentielle arrivée du T-55 depuis l'ouest. C'est reçu? Ouais, c'est reçu de soutien, on s'établit sur une diapo. Attends, il est en discussion avec. Ici, Assaut pour commandement, le char T-55 viendrait apparaître à 1,2 km de notre position en plein est. Ok, c'est bien reçu, Assaut. Assaut, vous avancez sur P9 et vous fortifiez sur place. Vous creusez des tranchées si besoin, vous faites au mieux. Ici, Assaut, bien pris. Mystery. Il reste encore 4 bombes, Mystery, il lui reste 4 bombes, il peut encore intervenir éventuellement sur le dernier T-55. On n'a pas de position exacte, on sait qu'il est au moins 1,4 km d'India 3 là, sur l'est. Et on l'a vu avec Football, okay. Là, je l'ai en visuel là. Essayez de déterminer les coordonnées et lui donner alors, il n'y a pas de souci. Okay. Parce que moi je le vois pas là, j'étais occupé sur la carte. Il est azimut 130. 1,840 km. 1,840 km de notre position, donc ça fait. Ah, attends, j'ai plutôt pressé. Ah oui, il est là-bas, ok. Ouais, il est là-bas, donc ça fait. Je vais essayer de déterminer la position. Donc là, il y a le truc. Ah, ok, je vois où il est. Il doit être. Il doit être ici. Il est ici, tout à fait. Tu vois sur ma carte? Ouais, je vois. Tu penses pareil? Ouais, je pense. Je pense qu'il est là, ouais. Ouais, je pense que je vois bien. Je vais lui donner la position. Tac. Ça nous fait 102, 100, ok. 102, 100. Dis-lui qu'il fasse une passe nord-est, sud-est, nord-ouest cette fois. Sud-est, nord-ouest. Ouais. Sud-est, nord-ouest, ok, bien pris. Parce que là, il est près de la frontière rouge et. QG pour Eagle, parler. Le dernier T-55 se trouve en 101. 100. De leader à soutien. Pavé 8. Tiens, j'écoute. Vous faites une approche sud-est. Pour info, on a un BRDM qu'on n'a pas réussi à traiter. On a reçu. Coordonnées 099-106. Je répète 099-106. Essayez de voir si vous avez un visuel dessus à côté de carcasse des deux autres. Ok, c'est bien pris. Dès qu'on sera sur India 3, je vous transmettrai le rapport. QG pour Eagle, vous avez dit 2 minutes avant l'intervention. Faites attention, sur la crête au nord d'India 3, il y a une patrouille ennemie qui a été repérée. Ouais, c'est bien pris le soutien. QG pour Eagle, bien pris. Ok, ouais. Une minute avant intervention à coup pour Eagle. Ok, ça marche. Après, je pense qu'il pourra les ravitailler. De toute façon, ça doit être ses dernières rogates là. Ouais. Ouais, donc après, il va ravitailler et puis il se tient prêt. QG pour Eagle. Une fois que vous avez fait votre passage, vous pouvez retourner sur base pour ravitailler. Reçu. Allez, fais-nous un hit. Fais-nous un hit. Mmh. Allez, pète-le nous, nom de Dieu. Il va le faire, il va le faire. Moi, j'y crois. Merci.
s'ils arrivent à traiter ça. Après, on est bon, on a nettoyé plein de chars, on peut commencer Ouais. à avancer plus sereinement. Ouais, sachant qu'il me reste un missile, donc toujours possibilité. Comme ça, ils pourront péter les quatre gugus qui sont autour du Ah, joli l'engage, la mitrailleuse. joli ouais, mitrailleuse. Il en reste un dernier. Et il bouge, il va l'engager. Ah putain, fais gaffe, bordel! C'était chaud. Il a balancé ses roquettes là? Négatif. Non, il a un négatif. C'est pas les roquettes, c'est des bombes. Ah, c'est des bombes, ok. QG pour Eagle, vous avez eu les quatre pauvres IA, enfin ennemis. Par contre, le Vois T-55 n'a plus. absolument rien eu. Il se déplace sur le Sud, ouais. sud-est de la position. Ah, c'est des bombes qu'il a, c'est des bombes autonomes. Ah, d'accord. Ok, c'est bien pris. Refaites un passage en 30 secondes avec les bombes. C'est bien pris. Par contre, on le voit plus là. Non, on le voit Non, plus. il est juste derrière. On le voit plus. Répétez. Affirmatif. Je pense que là, je l'ai plus en visuel. Donc, il est à peu près, s'est déplacé à peu près de De voir si je le vois au 200-300 thermique. mètres par rapport à la position initiale. Je vois plus là, bordel. T'as poursuivi dans le sol ou quoi? Non, il est parti derrière une petite crête. Ah oui, d'accord, ok. Parti dans le creux, ici là. On fait voir. Attends, j'ai pas la carte. Vas-y. Je pense qu'il est parti dans ce creux là. Ah non, c'est pas Oh. un creux ça, c'est pas un creux. Ah non, c'est pas un creux. Donc, sinon, il est parti. À mon avis, il est parti comme ça. Ouais. Sud-est. Peut-être, je sais pas. Ouais. Ouh, ça c'était de la grosse bombe ça. Ah ouais, là, c'est de la balèze de bombe, là. Fais voir. Ah, il avait tapé où il fallait en plus. Hein. Par contre, on le voit pas. Ah non, il a pas eu. Non, il a pas eu. QG pour Eagle, négatif. Il revient sur la position, première position Merde, 3 de tout à BMP. l'heure où vous avez tué les quatre ennemis sur zone. Ça bouge au Poursuivre. 100, ça Mets-toi dans bouge au ton 100. métis, mets-toi dans ton métis. Ouais. De l'assaut, on attend votre top pour pouvoir Négatif, partir on va essayer de sur l'avoir P9. avec le Métis. Vous pouvez rentrer sur base et réapprovisionner. Affirmatif, il serait intéressant d'avoir de nouvelles roquettes pour terminer ce T-55. Le Éventuellement. T-55, ça va être le cadet de nos soucis. Ils vont se Ok, fortifier, ils vont l'attendre. assaut ici soutien, ça va en Ils vont l'attendre au position, vous pouvez contact, entamer l'infanterie. le. Ok. Nous, on va essayer de se Et concentrer sur autre assaut, chose et après. après, j'y vais. Ils sont tombés, je sais pas parce que j'avais plus en visuel, il était derrière une petite crête en contrebas. Donc je sais pas trop vous dire, mais apparemment vous avez tapé relativement au bon endroit. Ouais, il s'est remis là où il était tout à l'heure. Ok, c'est bien pris. Prenez votre temps, l'infanterie va s'occuper du T-55. Fuckball? Ouais. Tu peux me l'avoir le T-55? Passe sur la radio. Tu peux me l'avoir le T-55 là? Madame Ziel, je te reconfirme. S'en débarrasser une bonne fois pour toutes, hein. Azimut 132, j'estime la distance. Attends. Ah, c'est loin, c'est 1,2 km, Rejoins ici, 1,5 km. soutien par là. Ida. Qu'est-ce qui reste sur zone en termes d'effectifs? Non traité 1 km lors des passages fois, sinon 155, par là. Azimut 131, je peux l'avoir. Vas-y, tu te le fais. On a traité les T-55, on traite le 9 secondes, dernier maintien. au Métis, on a traité les BRDM, on a traité un BMP. Tout ce qui va rester, ça va être dans la vallée ensuite et on va se servir de Eagle pour ça. Donc vous allez pouvoir commencer bientôt à avancer vers le QG. Bien pris de soutien, on signale la présence d'un bunker entouré de patrouilles, bunker équipé et armé. Position. Donne position d'ici une minute. Boum! Bien joué! Joli. C'est bien joué, c'est Ouais, bien c'est joué! bon, l'équipage est sorti, c'est nickel. Ah oui, c'est joli, c'est beau.
C'est beau. Tu peux annuler pour le T55 au niveau d'Eagle et tu lui dis de se mettre en stand-by prêt à intervenir. Ça marche. C'est bien joué. QG pour Eagle, parler. Tu remballes ton métis, tu le ranges dans l'UAZ. Ah ouais, si je démonte mon métis. Ok, ouais. C'est bien prêt. Ok, de leader à assaut et soutien. QG pour Eagle. Soutien. Soyez informé que les T-55 et les blindés ne sont plus une menace immédiate pour vous. Vous pouvez vous concentrer sur l'infanterie qui pourrait arriver éventuellement depuis le nord, mais on voit rien en mouvement. Préparez-vous peut-être à enclencher l'avancée vers le point QG. Bien chaud, bien pris. Soutien.